Et pour monsieur qui kidnappé ingénieur Basilio, libérez ingénieur Basile. Libérez ingénieur Basile, directeur départemental sud-est, libérez ingénieur Basile. Moun que nous kembe à monsieur ingénieur Basile, c'est lui-même qui chaque jour a goumé fait passage pour moun qui a porté aide, donc pour moun qui pratiquement donc dans sud, dans grandance, dans le département NIP pays. Ok? Ingénieur Basile, c'est le directeur départemental du sud-est des travaux publics. Donc, yo kidnappé jeudi, madame, monsieur, donc dans Port-au-Prince. Nous allons parler tout à l'heure avec le sénateur Anacassis. Et ingénieur Basile, c'est Petit Jacmel, c'est Moun Jacmel. Donc, nous allons parler avec ingénieur, avec le sénateur Anacassis. Donc, libérez ingénieur Basile pour nous, s'il vous plaît. Libérez ingénieur Basile pour nous, s'il vous plaît. Ok, libérez ingénieur Basile pour nous, s'il vous plaît. DCPJ, la police, fait tout le nécessaire pour nous capables de libération ingénieur Gilbert Basile. Ingénieur Gilbert Basile. Ok, directeur départemental des TPTC, département du Sud-Est. Donc, tout le monde Jacmel là, vraiment, c'est de l'eau danger. Et nous vraiment, donc, pas qu'à dormir hier soir, c'est de l'eau danger. Et il y a collé, il y a prié. Eh bien, ils ont demandé à ce que, donc, ils puissent libérer ingénieur Gilbert Basile. C'est ingénieur donc des TPTC pour le département du directeur Sud-Est. Départemental. Directeur TPTC. Départemental, donc Sud-Est et TPTC. Eh bien, nous demandons pour libérer donc ingénieur Gilbert Basile. Monsieur, libérez ingénieur. Libérez un corps. Et puis, son mungi là, et c'est lui qui a fait pour passage pour tout convoi qui peut aller dans le Sud, en solidarité à Moun dans le Sud, Moun dans Grandance également, Moun qui n'en est pas. Donc nous même dans l'émission Matin Débat, nous demandons pour libérer, mais et pour ravisseur, monsieur qui kidnappé ingénieur et Gilbert Basile, et bien, nous même nous demandons pour nous libérer, donc ingénieur Gilbert Basile. Et nous avons une intervention, sénateur Anacassis, donc pendant l'émission, donc et je dis, sous radio télé éclair. Ok, bon. Tout dit, bonne fête à Nicholson Charles, bonne fête tout à Edzer Emile, l'économiste Edzer Emile. Et vraiment cap font bon travail dans faire formation pour un pile jeune à travers tout pays hein, tout côté gars et pas même dans pays seulement, même dans diaspora. Donc Nicholson Charles, c'est petit Charles de Prince Radio Télé Prince Radio Télé Prince qui voulait donc émission Matin Débat. Voilà, nous Nicholson Charles nous souhaitait la bonne fête et Edzer Emile, l'économiste Edzer Emile, mais tout Lydie Floristal qui a fêté, et puis madame Lydie Floristal Angie des hommes qui a fêté, nous souhaitait tout le monde ça yo bonne fête. Ok, bon, on allait. On regarde ça qui sous table, madame, monsieur. D'abord, on a commencé avec ça qui gagne. Là, comme chiffre déjà, sous dégâts. Haïti politique, Haïti séisme. Les dégâts matériels sont évalués à 1,1 milliard de dollars américains, selon le premier ministre, le docteur Ariel Henry, et les bailleurs internationaux. Quand débutera la reconstruction? Notre invité à ce sujet, c'est le docteur Palerme Mathurin. Docteur Palerme Mathurin, c'est un praticien donc, de l'économie. Il fait 17 février 1966 à Morancy, dans Vilokai. Il est marié, il a deux petites. Eh bien, il a une formation. Et c'est un postdoc en intelligence économique et stratégique, Institut des hautes études et de la Défense nationale à Paris en France en 2012. L'IGO expertise en gestion du patrimoine industriel et technologique, Institut des hautes études de la Défense nationale Paris France 2012. L'IGO doctorat en sciences économiques, Université Paris 11, Faculté Jean Monnet Paris France en 2006. L'IGO diplôme d'études approfondies en DEA 3e cycle, économie appliquée à la technologie, à l'innovation et à l'emploi, Université Paris-Dauphine, Paris-France en 1998. Ligon maîtrise sciences économiques avec spécialisation en politique industrielle et économie de l'innovation, Université Paris 11, Faculté Jean Monnet, Paris-France 1997. Ligon licence sciences économiques, Université Paris 11, Faculté Jean Monnet, Paris-France 1996. Ligon diplôme d'ingénieur agronome avec mention économie et développement rural,
faculté d'agronomie et de médecine vétérinaire en Haïti, Université d'État d'Haïti, Damien, en 1994. Donc, il y a des formations complémentaires, tant qu'expertise en préparation des instruments de réinstallation, formation conjointe de la BID et de la Banque mondiale portant sur les sauvegardes en Haïti, la préparation des instruments de réinstallation. C'est auditeur certifié à HCCP Programme Contrôle et Sécurité Sanitaire et Sécurité Sanitaire des Aliments et des Industries Agroalimentaires. Donc vraiment, c'est un potori garçon que nous avons reçu matin, Dr. Palem Mathurin, et qui le parti là dans le CVA. Ils sont anciens candidats à la présidence. Dr. Palem Mathurin, bonjour, bienvenue à l'émission Matin Débat, comment vous êtes? Bonjour Louko, bonjour nous toutes qui sous table là. Bonjour peuple haïtien et puis bonjour et un peu l'amour pour tout le monde dans le grand sud pays d'Haïti. Jean Konenni qui en difficulté et plus largement bonjour à peuple haïtien parce que c'est pas seulement difficulté dans le sud, pays a est empêtré dans au niveau de crise que nous pas jamais connaît. Que toute génération qui passait avant nous ne pas déjà me connaître. Donc, c'est avec un pile plaisir que m'a participé ensemble avec nous dans l'émission matin là. Jodi, un docteur Palem Mathurin, les a gardé CVO, les a gardé parcours, expérience au fait. Et, ou t'es qu'à choisir pas vivre en Haïti, ou t'es qu'à choisir un fonctionnaire des Nations Unies, un fonctionnaire international, pour qu'ils soient choisis dans le pays malgré tout ça qu'on gagne. Et pourquoi ça choisit ça? Parce que on monde, on monde capitaine de CVO, on monde qui connaît on, qui connaît parcours, expérience de travail, jodi a et ou t'as un gros fonctionnaire des Nations Unies, clair, international et côté que le monde entier vous t'as fait presque tout le monde entier pour Nations Unies et jodi on choisit dans pays a et ou là depuis longtemps pour qu'il ça choisit ça. Oui mais le Kogomba va vraiment démettre là. CV ça tout à faire balan pire et demi. Oui, dans le pays, bien sûr. Ah oui. Bah, bien proche. Oui. Oui. Parce que c'est pas un mec qui connaît. C'est pas un mec qui connaît. Ah oui. Parce que une bataille entre un mec qui étudie en Europe en face de un mec qui étudie en Amérique. En Amérique, c'est bien. Et là, c'est dans le pays d'Haïti, bagaille la vine fête. Bien. Mais on sait vivre comme ça. À côté de toutes sortes de oui. Ici, rappelons ça va faire maniga, mon cher. Rappelons ça va faire maniga. Mais tu parler, même bonnet, la bien raison de plus, en fait, pour question ça. Mais question ça. Alors, par rapport à ça, nous avons dit matin. Alors, c'est nous avons pour nous râler. Nous chargez-vous. Chargez-vous. Nous faisons six points de courir d'ailleurs. Correct. Courir d'ailleurs, nous faisons ça plusieurs manières. Lorsque vous décidez un jour, prenez un poste dans le pays, au lendemain, non, vous êtes sous tout mi, vous êtes massissi, vous êtes volé, faut nous commencer à suspendre courir derrière. Et son campagne qui bien, son groupe monde qui bien orchestré, son paquet monde qui pas capable, qui a des problèmes avec gens de et tête ça. Donc seule manière pour eux même toujours été côté hein, toujours prendre politique là ou bien prendre devant en otage. Ouais, craser moun sa yo et mais pour eux même yo capable toujours être devant donc faut qu'on groupe moun ça n'a fait là ça n'a toujours habitué faire ça n'a habitué prêcher on toujours fait ça pour reler moun sa yo rester dans pays hein parce que ça yo gagne tête ça la élite pour aider Haïti et c'est lui pour aider Haïti pour que ça soit ça docteur Palem Mathurin. Bon en tout cas monsieur m'a dit nous merci en pile parce que moi je me rends compte que et on prend 3 minutes pour camper moins au niveau intellectuel et professionnel et puis moi il y a plus de minutes qui passaient commenter sous juste sous question CV. Et la question c'est qui ça fait m'arrêter ici. M'arrêter ici parce que toute ça hier c'est parce que ici fait. Que ben. Tout ça moi même j'en parlais Mathurin moi hier moi loué Haïti. Que ben. Parce que c'est si je pas fait en Haïti, si je fait de l'autre côté, et je pas fait pour venir discuter ensemble avec nous sur les problèmes Haïti. Mais peut-être que l'autre raison qui est derrière ça, c'est pas seulement parce que je fait ici, mais tout c'est attachement moi, et dans le respect que je pour le pays et pour le monde qui l'a donné. Moi, je crois que c'est nous-mêmes Haïtiens
qui pour pas peur affronter problème là pour que nous ca résoudre lui joindre une solution. Et même pas penser que mise en garde que député a fait qui peut être très fondée et même pas croire que et dans le monde que nous y aujourd'hui à là nous capable permettre nous le luxe de quitter monde vienne diviser nous quitter monde vienne détruire nous détruire pays a détruire petit pays a détruire des monde qui dédié by pays a qui investi au by pays a parce que monde ça eux qualifié au contraire nous n'en bander net nous à terre parce que nous quitter trop mazette à piloter nous et quel que soit botte derrière on mazette. Il faut comprendre bien que on mazette et ton mazette. Yon mazette et ton mazette. Ok. Maintenant, par rapport à ça, c'est que le jour que le pays a réveillé, et je pense qu'en même temps, crise là, très souvent, c'est laissé le pays réveiller parce que conscience nous doit interpeller nous. Donc, la condition que le pays a est là aujourd'hui, il faut nous comprendre que il a besoin de petit lio. Ouais. Moi-même, moi, c'est une petite lio. Il a besoin de petit lio en diaspora, que en Europe, que aux États-Unis. Que en Asie, que en Afrique, pays a besoin de tout petit li. Moi-même, moi c'est un là-dedans. Maintenant, pour que ça me choisit rester ici, moi travaille l'autre côté, me vive l'autre côté, mais moi senti que moi gon on appelle, on demande pour pays, même les gens pile moun nan pays a qui pas comprennent que c'est moun nan pays a qui pour refaire pays a. Moi-même, moi crois que moi gen responsabilité pour m'aider, pour mobiliser. Créer, faire émerger leadership haïtien qui est à la fois responsable, qui est compétent, qui est moderne et qui a un sens et souci de bien-être pour tout le monde. Donc, dans ce sens, je crois que la place, c'est l'allié. Et je dis que moi, par-delà de tout ça qui passe, moi, je suis à disposition de pays. Juste, malgré tout. Moi disponible pour payer pour peuple moi parce que ouais ça qui a passé jodi à là t'est passé en 2010 dans région Port-au-Prince et qui s'est passé le 14 août dans le sud dans le grand sud li touché moi et par-delà de un simple haïtien li touché me tout par-delà et du fait que me saute dans sud li touché me par-delà du fait que me travaille sous tous les trois départements ça yo. Mais il vient toucher encore de façon plus particulière parce que le toucher Haïti dans un niveau, dans un moment côté que pays a terre. Pays a traîné à terre là. Et donc on peut comprendre que moi quitter. Donc nous pas même à genoux, c'est traîné à terre. À terre, ouais. Nous à terre. Ouais. Moi t'es en vacances malgré famille moi qui à Paris. Moi arrivé à Paris le 10 août. Et bah elle a passé le 14 août. Pendant ce temps-là, mon équipe moi qui quittait Port-au-Prince le 13, le vendredi 13 dans la soirée Calé et Tiburon. Tiburon c'est dans la limite entre les départements de la Grand'Anse et du Sud. C'est dernière commune des cas et du Sud qu'on rejoint avant de traverser dans Iwa qui dans Grand'Anse. Heureusement, commune ça c'est Sekoué ni Iwa dans Grand'Anse et Ansdeno qui après lui, c'est Sekoué, il pas crasé eux-mêmes. Même genre, Tiburon, pas crasé lui-même, mais il a secoué. Équipe ça, après remonter sur Tiburon pour le rentrer au CAI, parce que un membre dans l'équipe là, qui lui-même, il a un avec madame, ni famille, qui vit dans Masline. Masline au CAI. Dans Masline, qui est dans la commune de Camperin, qui sont section communale de Camperin, donc qui se trouvait sous faille là, côté bagaille la passée. Donc, donc c'est là qui a plus de dégâts. C'est yon nan côté qui a plus de dégâts. Yon nan côté qui a plus de dégâts. Et nous allons nous garder rapidement sur ça parce que ça va mener nous sous estimation ça. Très bien. Que nous avons plus de dégâts. Avant d'arriver là, et docteur Palamaturin, alors il est à 13 et pas sur que je dis, et mon capitaine de matin de Bayo, yon apprend en pile ici à son école que lui. C'est normal. Maintenant, avec tout ça qu'on a gagné, donc comme expérience, comme qualification, et qui pigo expérience qu'on fait dehors? Avant nous arriver sur la question de séisme et tout à l'heure, tout à fait chef. Qui est-ce que vous faites comme haïtien, qualifié, compétent? Et moi-même, j'en parlais Mathurin, moi travaille à la fois avec et le gouvernement du Rwanda. Moi travaille. Donc, vous êtes Rwanda? Oui. Avec et Paul Kagame?
pendant l'administration de Paul Gagamé pour la préparation de la reconstruction après la guerre. Okay. Moi, travaille pour le compte de la Banque mondiale et auprès de l'administration du Sénégal, qui c'est des gros charges de responsabilité, de gros charges de projet. Moi, travaille également pour la BID et pendant un bout de temps sous projet de création d'emplois et de dynamisation économique dans Nicaragua, dans l'Amérique centrale, etc. Qui c'était tout, chaque fois, ça me prend exemple, ça a eu, trois exemples, ça a eu, comme des exemples de référence. Le cas du Rwanda, et c'est pour la mise en place des structures de la reconstruction de l'économie et de modernisation. Donc après le génocide, là, après la guerre, là même. Avec le Rwanda, t'es crasé net. Non, c'est Rwanda, t'es à terre. T'es à terre, oui. T'es net. Et donc, c'est grâce à leadership de M. Paul Kagame, qui, qu'on a traité le n'importe où on voulait aujourd'hui, hein, mais que la confiance que communauté, tribu, t'es metté dans lui-même, pour le permettre à ce que les remanier système, les refondre système, et qui va le faire en moins de 25 ans. Le Rwanda, je dis, hein, passer dans le pays que l'EMA fait thèse doctorat dans le début siècle, t'es placé parmi 74 pays qui étaient parmi les plus bas dans la même catégorie avec Haïti. Je dis, hein, c'est une économie de référence en Afrique. Et il y a à côté un pays que je remets en pile, qui c'est le Congo, République démocratique du Congo, qui c'est un des pays les plus riches en termes de ressources souterraines et environnementales dans le monde, qui lui-même toujours trouvé non situation beaucoup plus proche d'Haïti. Donc c'est dire que c'est malgré toute richesse que le gagne, c'est un coup presque avec Haïti. C'est ça me dit, c'est trouvé encore dans une situation côté que yin-yang, même avec Haïti. Division. Qui corruption. Qui pense selon même docteur et par les Mathurin, il y en a un coup Paul Kagame. C'est qu'a réussi donc en Rwanda et puis il échoue en Haïti. Ça, son question, ça fait peut-être 3 ans que je t'ai posé moi. Je te prends un exemple de déposer dans la Radio Métropole dans l'émission avec Rouro Farel et à l'occasion d'un papier qui est sorti sous moi et dans la revue New Yorker Magazine et qui t'a montré Mounio à l'arrivée de l'administration Trump et papier ça t'a expliqué que comment pays fonctionnait. Et donc, qui ça a fait que on a tous les éléments dans le pays et puis le pas qu'à marcher. Et papier ça, et auteur papier ça, qui c'est Adam Davidson, t'es venu en Haïti après le tremblement de terre. Je suis rencontré ensemble avec moi et puis nous vins amis. Et papier ça, son papier qui lu en 2 semaines par 36 millions d'exécutifs. D'exécutifs. C'est pas n'importe qui monde. Ouais, 36 d'exécutifs. Millions d'exécutifs à travers le monde. Ok. Pour qui ça? C'est parce que son papier qui voyait la France monter en pile. Okay. Études, qualité, études, qui pourraient permettre que développement, état de pensée, etc. Maintenant, ça me dit. Alors, c'est quoi la référence si on a voulu Google lui, c'est et article ça, c'est The Fight Between Trump and Amazon. Ok, The Fight Between Trump and Amazon. And Amazonie. Amazon. Amazon, yeah. C'est son donc, article c'est, là écrit son bataille c'est qui annonçait. Papier ça parlait de où? Oui. Ok, yo mon capcale et battre des balles, allez sur Google. Auteur, Google, sur Google. C'est Adam, A-D-A-M. Adam Davidson. Ok, Davidson. Ok. Adam c'est... Davidson. Alors, faut nous qu'on paye, faut nous qu'on monte. Ok. Yeah. Allez sur Google, là, allez cliquer sur Google, là, mettez The Fight Between Trump and Amazon. Okay. Et puis, auteur, c'est Adam Davidson, n'a pas écrit un article c'est qui parlait de. New Yorker Magazine. New Yorker Magazine, un article que Davidson écrit, et Adam Davidson écrit, qui parlait de docteur par le mature. Ok, on avance. Maintenant, alors, on dit que l'article, ça a 36 millions exécutifs à travers le monde. Qui, en 2 semaines, concentré sur lui. Très bien, ok, allez-y. Maintenant, on t'a expliqué, Mounio, que ça a résulté. Qui ça a expliqué que mon Kagame est capable d'un échec en Haïti? C'est parce que pays yo. Ça très important, madame, monsieur. Pour nous comprendre. Nous, Paul Kagame, son référence pratiquement et mondiale. Ok, pour ça, il fait la Kaili. Et dans Rwanda. Ok. Qui bol réussi en Rwanda et que le cas échoue en Haïti. Voilà. C'est qui le cas échoue en Haïti. Et c'est le cas, un petit moment, c'est le cas de FBI. Très bien. Qui échoué une première fois dans le cas d'enquête sur madame Diocher-Bertin. Diocher-Bertin. Elle presque cassée dans là. Enquête sous président Jovenel Moïse. Assassinat président Jovenel Moïse. Parce que, pays yo,
Jean a présenté un pays, il a présenté le sous deux piliers. C'est un pilier institutionnel et un pilier organisationnel. Très bien. Institution, yo, c'est ça qui baille pays à toute renommée. Très bien. Maintenant, ah oui. Si un pays, vous pensez qu'il y a un bypass pour qu'il y ait une facilité et vous casser une institution, yo, et mais c'est même ce bypass là qui a mangé. Très bien. Donc, là, un pays après le pour le décoller, faut qu'on établisse base ça solidement. La quel base, que soit ça, la base passé, institutionnelle, la base institutionnelle et la base organisationnelle de la société. Alors, on prend exemple ça à un terrain de football. Nous, ouais, au Cameroun, Ronaldo sur un terrain de football, Messi sur un terrain de football, là, Neymar sur un terrain de football, là, pour y jouer, ils ont arrivé au duo pas jouer. Ouais. C'est parce que cadre règle jouette là qui c'est institution yo, règle là yo pas respecté. Parce que ça que la règle jouette là. Ouais, qualité terrain, qualité pelouse là, qu'on va le mettre plus sous l'IA. Si qualité n'est pas satisfait, c'est responsabilité institutionnelle, sport ça, pour le dire, nous ne pouvons pas jouer match là sous terrain ça, parce que nous détruit le joueur. Maintenant, ça qui a passé, c'est que aujourd'hui, là, au bon pays qui dépravé. Ouais, c'est fini. Déboulonné dans tout le parce que tout le monde qui s'est passé là-dedans là, pendant 25 dernières années, 30 dernières années, yo, yo tout son bagage personnel y a brisé. Ouais. D'intérêt de groupe. C'est intérêt de groupe, des petits bagages personnels. Bah docteur à cloche moi sur là. Ces petits bagages personnels, ces bagages individuels, ces bagages de groupe que y a défendre, petit clanique. Et dans ce sens ça, yo détruit base institutionnelle pays qui les même gon ensemble de lois dans tout pays, loi yo évolué en fonction de l'évolution société. Maintenant, pays d'Haïti c'est mon problème. Pays d'Haïti c'est mon problème de loi que gagne. Pays d'Haïti a un corpus de loi extrêmement avancé, extrêmement développé, mais tout le monde opère, prend courage pour appliquer. Eh ben, vous avez dit donc, que donc ça, c'est un premier problème. Donc, ou qu'a pris Obama là, ou qu'a pris Paul Kagame, quel que soit le monde, même si on réussit, Bill Clinton, Bill Clinton, cassé Becky là, tout. Il cassé Becky là. C'est ça, il faut pas peuple haïtien que nous remets, nous connaissons. Il y a corruption, cher. Il y a corruption, Bill Clinton, cher. Non. Pas qu'on dit yo, est-ce qu'elle va venir? Pas non, pas encourager. Non, c'est pas l'inverse. Non, monsieur, gagnez des mauvaises mœurs. OK. Gagnez des mauvaises mœurs que vous gagnez. OK. Gagnez des milieux plus favorisés pour vous. OK. Non, mais je vais mettre là. OK. Maintenant, monsieur, deuxième bagarre là, c'est organisation sociétaire. Organisation sociétaire, c'est tout pilier qui prend le bail service aux communautés et cap. Et qui encadre moun ka produit richesse. Pays d'Haïti trouve une situation côté c'est prendre moun a vinn prendre richesse là-dedans. Ou y a prendre richesse sous nom. Sous nom. Parce que moun yo pas identifié yo en dans pays ya, et donc yo préféré marginaliser les lois et le cadre organisationnel institutionnel du pays ya, pour que eux-mêmes yo ka dépecer. Donc yo dépecer pays ya. Dans sens ça, ouais, dans pile chiffre qui baille. Sous combien de cobs vous volez seulement dans le cadre de construction pays? Il y a combien de chiffres qui baillent en termes de quantité de cobs vous détournez pendant la période d'application à Corp et Caribé? Mais il y a un pile de bagaille qui pas dit sous quantité de cobs que vous touchez dans mes citoyens haïtiens en dans l'économie que vous déversez sur l'autre côté. Qui mette pays dans l'état que vous là. Maintenant, qu'on y a, donc c'est l'organisation ça, de société. Et puis, il y a un bagaille qui est là. Respect pour soi, respect pour les autres et respect pour son pays. Donc l'ordre et la discipline et le patriotisme. Le patriotisme, trois bagailles ça yo, yo indispensable. Maintenant qu'on y a une quatrième dimension, c'est la dimension des valeurs. Très bien. Les valeurs qui pour permettre que un monde ni connaît des bagailles, il pas d'où fait. Il pas d'où fait. Très bien. Et voilà que en Haïti, tout est permis. Allez-y. Et c'est là où on va comprendre que on est dans Kagame, il va jouer à garçon. Ouais. C'est là qu'on dit que c'est dictateur. Ça me dit qu'on a traité le jonvelé, qu'on a classé le jonvelé. Mais c'est ça. Il n'est pas dans vagabondage même. Il n'est pas dans vagabondage. Okay. Et toujours dit ça dans ma télé. On va aller complot, monsieur. Cap, ah oui, fait là pour jeter monsieur. Donc, c'est chaque semaine. Exactement. Que de telle administration a géré. Et c'est ça qui fait que. Il n'y a pas par hasard. Non, que moi, je viens de travailler pour le pays. Moi, je suis disponible et disposé pour le pays. Et je vais montrer mon bagage que nous disons là, qui n'est pas forcément vrai. Et. Yo gen wa courir pour vous parce que yo dit que nèg ça trop correct, il trop sérieux, plutôt nous éviter monsieur en nous marginaliser. Clair. Tandis que ou pas ka mettre saleté sur moi. Ah ouais, ouais. Normal. Alors oui, ça les différents. Non, on pas ramasser, on pas venir ramasser saleté pour monde et m'pas d'accord pour mettre saleté sur moi. Donc dans sens ça, m'passé 5 ans
dans la très haute fonction haïtienne comme économiste en chef. Et c'est ça qu'il faut voir que et puis gros investissement qui fait en dans pays pour pays docteur Jean Palem Mathurin met mille là-dedans. Alors il y a monde qui parce que non il y a cachon série de bagages il peut parler de. Il peut parler. Ouais, Claudien, ouais. Regardez. Pendant 7 ans il a traîné pour faire le port et touristique de l'Abadie. De l'Abadie. Il pas qu'à faire. Docteur Jean Palem Mathurin vini, il me dit Mounio que pour qui ça pas qu'à faire là. Et l'aime parler avec représentant firme américaine qui a une compagnie. Je dis, comment des bateaux? Parce que son bateau coûtait 2 milliards de dollars. Ok. Pour venir Menel qui coûtait, on coûtait en 2008, il a dit qu'en Haïti, on a mangé la boue. Ouais. Là, dit, ouais. Non, je dis, écoutez, là où est une compagnie d'un coup, Caribbean Cruise Line, ou bien toute compagnie qui semble avec lui, qui a mené Moun et a fait visite touristique de côté. Moun ne peuvent pas faire tourisme. Non, moun pas fait tout ça. Eh, ouais, ouais, ouais. Moun n'avait pas bon pas fait payer avion. Oh, l'autre, on compagnie tant que Royal Caribbean Cruise Line. Li dit que en nous font entente sous l'Abadie, l'a commandé le bateau le plus cher et le plus grand dans le monde pour faire deux destinations. L'Abadie en Haïti et Port Everglades en Floride. Si moun besoin monter pour venir l'Abadie, faut aller pour avec les enfants. Maintenant, on y a, bateau ça a coûté 2 milliards de dollars. Moi, dis le commander. Il dit, mais docteur Mathurin, on m'a dit ceci, on m'a dit commander. Non, mais à l'époque, c'était pour quelle institution qu'on appelle? Non, je travaille pour l'État haïtien, mais l'économiste en chef. Donc, le dossier ça a pas un ministère comment il est obligé de monter au venu jeune. Okay. Et m'attacher, bureau moins, rattaché à côté, bureau premier ministre. Okay. Alors, malheureusement pour Haïti, depuis que je suis fini rempli fonction, ça n'a pas un monde qui a rempli fonction. C'est de quel premier ministre? Je fais ça pendant de 2006, de novembre 2006 à mai 2011. Mais t'as géré en termes Madame Pierre lui non fait à la fois Monsieur Alexis, plusieurs, Alexis plusieurs, oui, Monsieur Pierre et Madame Ali, Madame Pierre lui Madame Pierre lui et Monsieur Belrive bien dans l'administration de Bouba ça qui passe même bagarre là pour après tremblement de terre là regarde côté Mounio sorti qui vient faire que en pile monde mourir comme ça non pour le prince c'est ça on vient chercher c'est travail Mounio vient chercher c'est opportunité on vient chercher c'est service d'État on vient chercher dans service d'État ça ou bien éducation ou gen un passeport, ou besoin d'un passeport, oui, besoin d'un permis de conduire, ou besoin d'opportunité. Oui, bien sûr. Et mais, côté au sorti, l'en regarde flux côté moun yop, tap sorti, côté ap retourné, nous rendons compte que la région du Nord, m'pap dit, et Caracol, ou la région du Nord globalement, c'est yon nan côté que te gen pi plus moun qui sorti. Deuxième côté que te gen pi plus moun qui traîne, c'est plateau central avec la Tibonite. Troisième nan, c'est la région sud. Maintenant, ça veut dire qui ça? Si l'État te positionné opportunité de travail là, dans zone côté moun sa absorti ou t'as changé donne nan complètement pour éviter que tout Haïti pas ou comme ça voilà pour qui ça fait que exemple ça c'est nous aller Caracol nous garder 17 côtés et nous choisir site Caracol là nous installer vol là n'a fait projet ville Caracol commune Caracol au total t'ai 6000 moun alors imaginez qu'on dimensionne un projet industriel qui lui-même une seule entreprise là-dedans engagé comme premier entrepreneur par l'Instagram l'a fait 20 000 jobs. 20 000 jobs, oui. Donc, non, communauté qui dégaine 6 000 monde. 6 000 monde. Ouais. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire qu'on prend une décision qui pour remodifier l'utilisation espace-terre, mais qui pour changer la relation entre le monde avec le territoire. Ouais. Voilà comment. Parce qu'en plus, le monde paie, on sait le bagage. Mais parce que c'est 20 000 monde en plus qui a venu, qui pour vivre avec 6 000 monde qui était là déjà. Mais songez que chaque monde ça pour le travail là, en termes économiques, il y a chaque au moins 5 autres monde qui a chargé. Qui a chargé, très bien. Ouais. Donc ça veut dire que son projet sont des programmes de développement régional. Donc qui pour ramener un volume de monde. Et pas oublier que là, on a travaillé un côté, ou un paquet d'autres bagages qu'on a fait, ou même ou payer l'autre monde pour faire. Très bien. C'est ça qu'il faut comprendre que ce n'est pas parce qu'on a travaillé dans le parc industriel là qui fait que la situation a amélioré. Il y a tout un paquet d'autres services et d'autres opportunités qui viennent créer autour qui fait que les gens dans la zone n'ont pas enrichi. Il y a un exemple d'enrichissement, vous comprenez. L'en a fait projet, on a été dans une zone ça, on a vendu 600 dollars américains. Oui, à l'époque. À l'époque. À l'époque, ouais, c'est vrai. Après, je dis à là, on pas à 20 000 dollars américains, c'est difficile pour vendre un hectare. Et maintenant, il vient beaucoup plus cher avec bagage Marion. Ouais. Non, il vient beaucoup plus cher. Encore une fois, c'est que c'est activité industrielle, développement emploi, entraîner développement et création de richesses pour le monde. Et ça a entraîné développement pays et développement blanc. En un pays, il y a un combat qui a fait contre l'intelligence. Donc, ça c'est dit en fait. Un combat qui a fait contre le monde qui remet pays. Donc, ça c'est dit, docteur Palem Mathurin. Là, son question de vision à poser là. Tout à fait. Vision.
et d'approche. Mm-hmm. Parce que écoutez, si on parle de changement, pas qu'il y a un changement sans développement. D'abord, c'est le développement qui mène au changement. Tout à fait. Mais développement commence déjà dans la tête monde. Dans la tête monde d'abord, oui. Dans la conception, conception monde de relation avec pays, oui. Avec monde qui n'a pays. Oui. Alors, mentalité nous. Vous mentalité non, parce que, mais justement, oui. C'est que si on va promouvoir et crétinisme, on va promouvoir mazette, on va promouvoir monde qui n'a jamais réussi en rien. Oui. Oui. Et que oui. C'est jouer une opportunité. On sort d'Italia au momentum, momentum qui a un sens très positif. Mm-hmm. En Haïti, nous utilisons tout ça qui a un sens positif. Mais ça, c'est négatif. Je dis à Haïti, il y a un gros momentum. Yeah. Momentum pour un pays, c'est des moments de choix. Choix. Correct. Choix, ça, il faut porter pour ne pas tomber dans la santé. Là. Avant. Parce que ça nous arrive là, c'est le monde, c'est propre nous-mêmes encore haïtiens, yeah. Avec des aides étrangères qui mènent nous là. Mènent là, pour nous, faut nous choisir comment on a décidé pour nous reconstruire. Nous. Surtout là, par exemple. Et ça qui va le passer là. Ouais, remarquez là. Que. Mm-hmm. Pas gagné aucune réflexion qui fait. Ça, vous estimez là, c'est les dégâts. Pas gagné aucune réflexion sur comment pour éviter des dégâts, ça, pas reproduire encore. Eh bien, ok. Docteur Palem Mathurin, on nous entre droite dans le séisme du 14 août 2021. Alors, Lugo, on va, alors, docteur Mathurin, tu parlé là, pour pas oublier la question, non? Il était parlé là, il occupait de 2016 à 2006 à 2011. Dans le plus haut niveau, dans la question économie, mm-hmm. C'est ça? Alors, forme du comité économiste en chef. En chef. Ça, c'est fonction ça, c'est une fonction qui aidait gouvernement à coordonner les actions et les stratégies de politique et de développement économique. Ou t'es gagé sous économie, économie. Les consultants sont rangs. Ça sont rangs, oui, mais ça sont l'autre bagage. Ça sont l'autre bagage. Mais ça qui explique. C'est-à-dire que là, c'est une responsabilité. Économistes en chef sont l'autre bagage. Son responsabilité d'État. Et c'est ça que tu as fait, tu as dit, maintenant, comment des bateaux. Au niveau de alors, bateau qui est plus cher, et Ship Cruise, c'est 1,4 milliard. On parle de 2 milliards. Non, non, plus cher, c'est 1,4. The Oasis of the Seas. Bateau ça, en 2008, il coûtait 2 milliards de dollars pour construire là, en 2008, en Suède. Bateau ça, son bateau, tu as gain capacité. Non, 1,4 de 2 milliards, c'est pas. Non, non, même non, c'est 600 millions de dollars. C'est 600 millions de dollars. Mais ceci dit, le bateau ça a fait une fête. C'est le premier acte qui a coûté plus cher. Après, ça allait pour faire une reproduction. Oui, bien sûr. Il y a bien marché. Alors, bonne question. C'est la sortie relation économique. Oui, bien sûr. Alors, c'est la question de la question. Et l'enga de réalité, ça n'a pas vivre là, t'es. Économie nous en li à genoux puisque tu as gagné yeux ou tu as vivre économie ça explique que nous dans état ça économie nous en état lié aujourd'hui c'est pas nous déjà les partenaires ça en 2006 non 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 alors il y a question ça il parle état ça vrai ça c'est nous oui oui non non oui oui non alors puisque le vieux yeux sous lui ça qu'a expliqué nous dans état ça premier sac menel là c'est instabilité ouais OK instabilité détruit économie. Parce que les instabilités, le gouvernement monte, le gouvernement descend, les insécurités, les gens peuvent investir. Investi, mm-hmm. Yeah. Pour une économie fonctionner, c'est que faut qu'il y ait un entretien économique pour l'avancer, c'est investissement qu'a fait là-dedans, c'est richesse qu'a produit là-dedans, c'est échange qu'a fait là-dedans. Sécurité pour l'organe insécurité. Cette instabilité. Cette instabilité profite à deux, trois grains de monde. Il y a là-dedans dans le pays, il y a là-dedans qui dehors pays. Cloche. Ok. Ouais. Donc, ça, c'est pour que nous conscients de réalité. Elle pas profite de ce haïtien. Non, ça me dit. Elle profite à des mondes en d'un pays, elle profite à des pays voisins. Mm-hmm. Un exemple, tremblement d'été passé, moi-même, c'est moi qui négocie avec mon dans la communauté privée dans le pays, les lois HOP qui baillent plus de travail aujourd'hui dans le pays. Ça, dis-moi là. Relé Dodi Sassine, relé Lionel Delatour. Ou même qui négocie ça. Mandeo, qui pourra, docteur Jean-Palem Mathurin, qui permettre que Haïti gagne loi HOP. Loi HOP 1, Loi HOP 2, Loi HOP 3 qui vient help, ouvert univers marché américain pour produire qui sorti en Haïti dans quel que soit domaine. C'est nous-mêmes qui va produire qui pour sauter sur l'opportunité. Donc c'est nous-mêmes qui va profiter de l'opportunité. Maintenant c'est l'ordre à comprendre pour qui ça fait économie en Italie. À l'époque, combien de temps et réfléchir sur le marché comme là. Qui sera dit là? Bon, c'est bon, même finaliser inscription Haïti définitivement. Nous avons présidé la commission tripartite et la commission de. Pour création de marché à économie unique de la CARICOM non? Pendant 3 ans. Mm-hmm. Marché ça a son marché avec 4 plus gros économies CARICOM. Donc oui. Haïti c'est une plus gros économie dans CARICOM. Haïti a plus de monde,
Parce que pas oublier que au marché c'est d'abord quantité moun k'ap consommer. Deuxième bagala c'est pouvoir d'achat moun yo. Problème d'Haïti c'est que avec instabilité, il pas qu'à créer pouvoir d'achat. Non, mais Haïti c'est plus gros marché gien dans Haïti. C'est 11.4 millions moun ki là. Plus ou gen 4.5 millions nous qui dehors dans diaspora. Parce que bon jouet bagala. Ça dit que nous sommes peuple là, nous sommes bêtes k'ap bêtise. Non, c'est que nous gien n'ap gaspiller tête nous. Nous gien la main nous. Élément pour permettre que nous fassions décollage, nous. Ouais. C'est sauf que faut pilote là. Ouais, pilotage là. Alors justement, comment il remédie? Alors là, comment il remédie? Il y a plusieurs démarches qui sont capables de faire. Le premier, c'est une démarche citoyenne. Ouais. Faut que collectif haïtien prend l'engagement pour suspendre qui était acheté droit de qui est-ce qui a mis sous volant machine. Non. Ça c'est le plus gros choix. Son responsabilité citoyenne. Mais il y a autre chose également. Non, ça me dit que plusieurs bagages, oui, donc ça c'est Youn. Il y a autre chose également, et docteur Balem Mathurin. Prends pouvoir, c'est Youn. Ah, c'est pas prendre pouvoir problème. Ok, c'est pas le problème, non.